Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, ça faisait longtemps que je ne vous avais fait une vidéo sur des miniatures. Alors je suis allé en virée il y a 2-3 jours, donc j'en ai trouvé quelques-unes, mais encore pas ce que je recherchais exactement, puisque j'ai pas trouvé ni de Majo, ni d'Hot Wheels 2019. Par contre, j'ai vu d'autres modèles, une autre marque, que je m'étais jusqu'à présent toujours refusé d'acheter. Puis là j'ai dit allez, il n'y a rien, je vais tenter l'expérience, je vais en acheter 6 boîtes puisque c'est des boîtes. Et ces véhicules, voilà, ce n'est autre que du Welly, voyez. Alors j'étais plein d'appréhension avant de les acheter. Bon, ça va pas, j'en ai acheté 6, oui, comme je vous l'ai dit, ça va pas ruiner. Mais franchement, bon, avec tout ce qu'on entend ci et là sur ce genre de produit, j'étais pas trop chaud. Bon, bref, on va voir ça en détail et je vais vous donner mon avis sur ce que j'en pense. Alors là, c'est donc série Audi. Alors, je sais plus qui est-ce qui disait, et il a raison, il n'y a pas, le nom du modèle sur la boîte. Ça me revient. Non, ça ne me revient pas. Qui est-ce qui disait ça dans une de ses vidéos? Ah, ça y est, c'est Sanderix. Exact. Il me semble. Donc la voilà, cette petite Audi. Alors, donc elle est toute noire. Alors je vais regarder en dessous, hein, puisque en dessous. Alors en dessous, vous voyez, déjà, il y a un petit. D'accord. Regarde. Putain, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors. Il n'y a pas de rivet ou quoi? Regardez le châssis. Donc l'emplacement là, je pense que c'est là où il doit y avoir le rivet. Il n'y en a pas. Ils ont. Mais. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Est-ce que ça se clipe simplement? Non, il doit bien y avoir des rivets. Bon, bref. Mauvais point d'entrée là. Donc c'est une Audi noire. Ah oui, et je voulais voir s'il y avait le modèle était écrit en dessous. Donc j'essaye. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, il n'y a pas de. Bon, bref. Alors, il n'y a pas écrit de modèle dessous. Donc. Audi, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il n'y a pas de rivet. Mais on peut voir que les finitions sont faites à l'avant. Voilà. Et à l'arrière aussi. Ouais. À l'arrière aussi, vous avez même écrit. C'est une A8, hein, je sais plus. Je crois que c'est ça qui est écrit à côté du phare là. Ouais. Donc, bah, visuellement, elle est pas mal. Elle est franchement jolie visuellement comme ça. Hein. Audi R8. Alors, A8, oui, R8. Alors, par contre. Ouais, ça va, elle roule encore pas trop mal. Bon. On va la remettre dans sa boîte parce que. Bon, je ferai ça après. Voilà pour l'Audi R8. Allez, le second modèle que je vous montre, c'est celle-ci. C'est une Mini Cooper. Alors là, toujours pareil, hein, y a rien sur la boîte, elle est juste. Marqué Mini Cooper Series, voilà. Series et non pas cerise. Voyons voir ce que nous réserve cette Mini Cooper. J'espère que
celle-ci va pas se démonter dès que je vais l'avoir. Alors je vérifie. Bon, on a toujours le petit scotch blanc. Putain, mais ça. C'est pénible avec ça. Enfin, en plus, c'est un truc qui colle bien, quoi. Ça ne s'enlève même pas d'un coup, quoi. Voilà, je fais ça après aussi parce qu'on a passé du temps à faire rien. Alors, hop là. Donc la Mini Cooper, la voici. Hop. Alors, elle est jolie, hein. Donc, elle est mauve. À la caméra, on la voit beaucoup plus claire qu'elle n'est en réalité. Elle est vraiment mauve foncé. Bon, elle est très très sympa. Très très sympa. Elle est vraiment. Regardez, les finitions sont faites, hein, avant-arrière. L'intérieur. On a des écritures sur ce côté. Ben, on a le S, hein, Mini Cooper S. C'est marqué, dites donc. Mini Cooper S Cabrio. Mais là encore, visuellement, moi je la trouve très très jolie, hein, très très ressemblante. Alors le test du... Ouais, ça roule à peu près. Bon, la deuxième est pas mal aussi, hein, visuellement. Allez, la troisième, c'est celle-ci. C'est une Nissan. Nissan série, bah, c'est une Nissan GT-R. Voyons voir. Ah oui. Nissan. Alors, est-ce que c'est marqué là? Il y a encore le autocollant. Je vais cette fois-ci. Ben, elle roule bien, j'avais pas l'impression. La Nissan GT-R grise métal, superbe. Elle est très très chouette, hein. Les finitions en sont faites sur les côtés. Vous avez de la petite tempo aussi. Bon, voilà la poignée, ils ont... Oh putain. Voilà la tempo un peu sur ce côté là. Un peu loupé là, au niveau des poignées de porte. Par contre, derrière, vous avez la finition, hein, qui est faite, hein, avec le sigle Nissan, les feux, les optiques, le dessus et puis dessous, hein, vous avez encore l'autocollant, mais ça c'est l'autocollant, c'est marqué, c'est l'autocollant du magasin. Elle est pas mal non plus celle-ci, hein. Enfin, elle est même très très jolie, hein. Je suis surpris dans le... bah, pas dans le fait que ça soit qu'il y ait des trucs comme ça de ce style ou une voiture s'ouvrant en deux et tout, parce que bon, j'ai tellement entendu sur les wheelies. Mince, là je l'ai sorti sans vous la faire voir, c'est une boîte de la Lamborghini série. Donc la voilà, alors tac, la voilà, la petite lambeau. Là encore, les finitions sont faites à l'avant, mais également à l'arrière. Voilà. Et le dessus. Il y a du jeu dans les roues quand la suspension avant doit être morte. Et donc
Lamborghini Gallardo LP 664. Elle est aussi très très jolie. Ouais, ça va, ça roule aussi pas mal. Allez, l'avant-dernière, la voici. Alors celle-ci, elle me plaisait de par sa couleur. C'est une Porsche. Ça fait partie de la série Porsche. Et donc... c'est vrai que Porsche 911 Carrera. Porsche 911 Carrera. Là voilà. Très 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 sympa. Et très joli. Les finitions sont faites à l'avant. La peinture est plutôt jolie. Hein. Il n'y a pas trop d'accro de peinture, à part, je vous ai montré sur... Donc là, les finitions sont faites à l'arrière. Vous le voyez peut-être pas parce que c'est tout rouge, mais on distingue... non, il n'y a pas... Bon, les optiques sont faites en rouge, mais comme la carrosserie est rouge, vous avez le Porsche qui est écrit... je sais pas si vous allez le voir... ouais, il n'y a pas d'accro de peinture à part sur les poignées de porte de la Lamborghini. Sinon, hein, c'est assez. Le logo Porsche qui est devant avec les optiques. Et dessous, donc c'est toujours. Et ça roule, ma foi, pas trop mal. Et la dernière, c'était mon coup de cœur hein, de ce lot. C'est la 2 chevaux, un Citroën série. Je vous la montre. Hop, là voilà la douche. Voilà. Regardez. Elle est vraiment très très ressemblante. Je suis moi. Étonné par la ressemblance des véhicules quand même par rapport à la réalité. Alors vous avez donc là bon peut-être les optiques rouges on sait pas hein. Devant les finitions sont faites, c'est un petit peu moins net que celle vue jusqu'à présent. Regardez le sigle de Citroën sur la carrière, bon il est pas tip top. Regardez les carrosseries, les portières, les chromes des pare-chocs. Hein, on dirait que c'est un peu plus de vécu que les chromes que nous fait entre parenthèses Hot Wheels à peu près, hein, qui sont ultra brillants. Les enjoliveurs, regardez ça, sont superbes. Enfin, les enjoliveurs ou les jantes, hein, je sais pas. Citroën 2 chevaux. Hein. Voilà, c'est ce qu'il y a de marqué dessous. C'est vraiment un super modèle. Alors, à mon avis personnel sur ce genre de miniature. Vous avez vu la première que j'ai pris, l'Audi, elle s'est cassée en deux. Il n'y a pas de rivet. Pas de rivet, c'est un oubli. J'imagine que c'est un oubli. Parce que toutes les autres en ont. Donc là, le mauvais point en débutant. Après, niveau tempo, finition. Niveau tempo, la peinture est belle. Il y a une voiture sur 6 qui a des accros de peinture, c'est la Lambo, les poignées. Sinon, moi j'ai rien relevé de... Là non, la peinture est jolie. Elle a un bel aspect, elle est bien uniforme et elle est bien là où elle doit être. La tempo. Donc la tempo ici ce sont des voitures civiles, donc il n'y a pas de tempo comme les voitures de course. Mais la tempo sur les finitions, c'est-à-dire les marques, les optiques, avant, arrière, les noms de modèles et compagnie, tout est fait, nickel à part sur la 2 chevaux où le sigle Citroën est peut-être un peu discutable, mais
grosso modo, on a une tempo avant, une tempo arrière qui est bien faite. Et sincèrement, ce que je vais vous dire, moi, c'est que le gros plus, c'est que cette marque-là, que je découvre hein, avec vous, et ben pour moi, c'est celle qui se rapproche le plus de la réalité. Ce sont les miniatures pour moi qui ressemblent le plus à la réalité. Devant majorette. Oui, devant majorette. Au niveau visuel, au niveau miniature, carrosserie. Devant Matchbox, donc devant majorette, bien entendu, devant Matchbox. Et puis, plusieurs points devant Hot Wheels. Plusieurs points positifs par rapport à Hot Wheels. Déjà la forme des véhicules, comme je viens de vous le dire. Le réalisme, les finitions faites sur tous les modèles. Donc apparemment, je pense que toutes les voitures Wally, ben, confirmez-le-moi en commentaire, sont finies. Alors, par contre, niveau jouabilité, peut-être que je ne donnerais pas ça à un enfant pour jouer parce que ça durerait peut-être pas très très longtemps. En conclusion, pour un collectionneur, c'est bien. Pour des véhicules, des miniatures qui vont rester en vitrine, je trouve ça plutôt bien. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire sur cette marque de miniature. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Salut !